Et what's up YouTube, c'est la team RPC. Là on se retrouve noyau dur hein. Noyau dur, Mika, Geoffrey, moi. Camion chargé, départ pour Bordeaux. Pneus changés. Camion chargé. Voilà, comme j'ai dit, départ pour Bordeaux. Donc installe-toi vraiment, parce que là on est sur une version longue de vidéo les gars. Installez-vous confortablement. Pensez déjà à lâcher votre plus beau like, votre plus beau commentaire à la fin de la vidéo. Donc on part à un événement qui est sur la piste Labarde. Avec Geoffrey et Mika, Geoffrey en assistant, moi avec ma méca, Mika avec sa méca. Et une petite surprise que vous découvrirez dans la vidéo, peut-être même vous l'avez vu dans le titre, je sais pas encore comment ça va se dérouler du coup. Donc bon, on a 6 heures de route, hein, on a le temps d'envoyer l'intro et discuter tranquillement. On va enfin sur une vraie piste. Ouais, vraie piste de drague, mais ça on en reparle après. Allez, intro, c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. La question. Geoffrey dans son rayon favori. Que faire ? Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération les jeunes. Hein. D'accord ? Il faut pas prendre exemple sur Geoffrey parce que là sinon vous êtes dans la merde. 7 degrés. Elle te troll celle-là. Ouais, je me casse, c'est trop pour moi ici. Là. On a à peine fait 5 minutes de route. Geoffrey nous a fait s'arrêter dans ce magasin manque de merde. Pour aller voir s'il n'y a pas ces cartes Pokémon édition 151 là, qui sont Fury Exobi là. Alors, ils ne font pas les cartes Pokémon. Ils ne font pas les cartes Pokémon. Voilà. Allez, en voiture. Là. Bon, il nous reste encore 3h30 de route. Donc je sais pas vraiment comment ça va se passer ce week-end, parce qu'en plus on a des contacts sur Bordeaux qui nous ont dit qu'il y avait un match de Bordeaux et le parking où on est grossièrement, où on s'installe, sert de parking pour le stade, c'est ça le Matmut, il a dit JB. Le Matmut. Le stade Matmut. Bon, il devrait pas avoir beaucoup de monde sur Ligue de Bordeaux. Mais Oh, mais ça va oh là 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 là. La pression. Bon, pas de paquet de chips cette fois-ci. Non, si vous ils me l'ont réclamé hein, sur Snap. Hein, pourtant. Si on est calme. C'est possible, ouais. Bon, après 6h30 de route, nous sommes bien arrivés à Bordeaux-Lac, la piste Labarde. On voit pas très bien tout à l'heure, on ira se rapprocher. Mais regardez-moi, ça, déjà d'entrée de jeu, ça nous fait bander cette piste. Allez, donc on a eu l'autorisation d'ouvrir le portail pour se caler ici, le coin des 50. On va déballer notre nouvelle tonnelle. Nouvelle tonnelle. Oh. Allez Mickey, à toi. On va faire le unboxing. Unboxing. Bon après c'est pas floqué RPC, il n'y a rien. Non, pour l'instant. Pour l'instant. Là on a fait les fouets. Avec Mickey on a fait les fouets. On s'est acheté un Barnum. Voilà. En 6 par 3 messieurs dames en plus s'il vous plaît. Hein. Et on va pas dire que c'est grâce à vous. Hein. Ah. Geoffrey il aide les autres, il ne aide pas nous. Parce qu'il n'y a que Mika, parce que moi je filme. Oh là là. Là t'as les mecs lambda qui ont des tonnelles 3 par 3 et t'as la RPC qui arrive avec une 6 par 3 mon gars, voilà. Bon logiquement on n'est pas couché hein, parce qu'il faut la monter complètement. Ah, là. Déjà qu'on a du mal avec le temps de 2 secondes alors là. Bon, on voit rien, mais voici la piste de Bordeaux. On va pas se mettre là. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait 7 heures de route. Donc là on teste la colle. Ça colle beaucoup là ou pas? Un petit peu mon copain. On teste le sommet. Vas-y attends, mets un coup de pied dans le sol pour voir ça fait. T'accélères, ça reste la machine. Ouais, ça colle bien là. Donc c'est pour ça qu'on a tapé 7 heures de route. On roulait là. Bref, là c'est moins collé, Mika là. Mais là on est sur la seule piste en France, si je me trompe, de dragster officiel. Alors, et je sais qu'il y a certains prostocs qui, quand ils tirent 400 mètres, ils arrivent même pas à freiner. Donc nous on n'aura pas ce problème, hein, les gars. Mais c'est vrai que quand t'as une machine comme un bicylindre, tout ça, rouler sur de la colle, ça peut être insane parce que tu sais que sur un bicylindre, tu fais entre 30 et 40 mètres de borne. Là, vu que c'est collé, la colle ça te sert à justement accroché au sol, mieux adhéré, donc ça va nous enlever le burn, mais je pense que ça va nous amener d'autres problèmes. Donc bon, là on va aller manger tous ensemble et demain on vous fera des plans de la piste. Bienvenue à Bordeaux. Tu vas bien Geoffrey? Geoffrey fait le lac. Ah Mika, qu'est-ce que tu t'es pris? Il y avait de la poussée. Une bistro. Et ben y a pas qui hein. On est arrivé à l'hôtel, hein. Ah, c'est vraiment ghetto. Ah, c'est ghetto fort fort. Ouais. Ça vaut la Ligue 2. Hein. Ah oui. Ça vaut la Ligue 2. C'est ghetto. Ouais. C'est même pas la vie, frère. Oh.
Non, je veux. Tu veux un skimboard? Tiens, mon frère. Allez, on va aller se pioter. On se retrouve demain directement à la barde. Peace. Qu'est-ce qu'on a mal dormi? T'as bien dormi, Geoffrey? Un régal. Mika, t'as bien dormi? C'est même pas ça. En fait, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il y a des moustiques de merde. Là-bas, il y a le camp des craquettes. Je pars vraiment là, genre vraiment à Cultura pour chercher les cartes Pokémon. Bon, on a fait le briefing. Mika fait déjà de la mécanique. Bah oui, parce que si t'attends... Ah, je vais pas la faire, ça c'est sûr. Donc, on vous avait dit qu'il y avait une surprise. J'avais dit qu'il y avait une surprise ce week-end. Regardez la surprise. Ouais, c'est moi, ouais. Quelle surprise. Rémi nous fait le plaisir de venir dans notre stand avec son Missilian et monsieur Nico quand même. Salut. Quand même. What's up, quand même. YouTube. Voilà. What's up, my boy. Donc voilà, dans le stand, on a la Mecha 96 Bidalo. Prépa MK Moto, le Dragster 96 Bidalo, prépa MK Moto et le bicylindre RT. Ouais, je suis dans l'ombre. Product que du coup MK Moto. MK Moto. Que du coup on va piloter à deux. Voilà, donc Rémi va repiloter son drag et du coup je vais le piloter aussi sur on va tester du coup l'encollage de la piste parce que là la piste de droite est encollée sévère. Donc je pense que du coup on va rouler sur la piste encollée. On va pas burner mais on va casser des choses. Tu t'équipes, on y va Rémi? Débriefing, on vient de faire un run, on l'a pas filmé. Donc déjà, pour m'entraîner, là ici, là où je suis là, j'ai essayé de démarrer. Mais il y avait trop de monde, tout le monde qui me regardait et tout, et j'arrivais pas à démarrer tout seul. Et tellement je tapais, j'ai pas tapé au moment, j'ai cassé la batterie. Mickaël était pas content, mon gars l'a réparé avec moi du coup. J'ai été au run, je me suis placé, et j'ai pas fait mon départ. Je me suis mis une pression de fou en fait, genre... une pression, mais genre comme jamais je me mets, tu vois, parce que c'est tellement nouveau pour moi la méca boîte. Et j'ai essayé de me placer à la cellule. D'habitude j'appuie sur le frein. Et là je peux pas appuyer sur le frein vu que j'ai le doigt sur l'embrayage et l'autre sur la poignée. Du coup j'arrivais pas à capter la cellule et tout. Et j'ai fait un départ genre pas comme je fais dans la vidéo d'avant, tu vois. Donc bon, ça a fait 8-1. Voilà. Mon premier run, mon premier ticket avec la méca boîte, il est là. On a 8-1, vous voyez pas, hein. 8-1 et 133 km à l'heure. Par contre mon 18 mètres est haché. Mais ça c'est tout à fait normal, j'ai fait un départ éclaté au sol. Donc on attend que Mika revienne, tout ça, je vais lui décrire un peu ce que j'ai fait et on va voir si on retravaille dessus, mais je pense qu'il faut que j'y retourne comme ça en fait, d'emblée comme ça. Voilà, on est avec Mika. Alors on sait pas ce qu'on branle là parce qu'il y a des motos, elles pètent dans tous les sens. Je vais te montrer le genre d'engin. Les oreilles. Nardine Weldick. Bon, alors là, de ce que j'ai cru entendre de leur team, et en fait, ils vont faire un burn en troisième vitesse. Ok, là l'embrayage il a pris sa mère. Et donc là, retour aux sources, un bon vieux 50 cm cubes perdu parmi ces gros cylindrés. Je me sens comme une petite blonde avec plein de gros noirs. Ah oui. Donc on est Mika avec un 96 Bidalo Factory Prépa MK Moto contre un GSXR de 1640 cm3. Seulement 1640, ils n'ont pas réussi à faire plus. Donc on va les excuser quand même pour la cylindrée parce que je la trouve assez basse. Hein. Ok, alors démarrage. Bon, il y a 1500 cm3 de moins.
Les gars, le mec il a voulu faire le macho mais il a perdu son run. Mais comme c'est parti par contre, le jack c'est abusé. Mika beau run aussi hein. Là, là les gars, là c'est un truc genre personne n'est prêt. C'est une meuf qui conduit gars, une meuf. Gars, des masques elle conduit. Comme elle la torche. On va aller tester la colle sur le bicylindre de Rémi. Donc première fois qu'on va réellement tester la colle. Donc j'ai pas trop peur à l'accélération, j'ai juste peur à la replaque de la roue avant. Ça va coller la roue ou pas. Est-ce qu'on va prendre plus de vitesse, moins de vitesse? C'est vraiment une découverte là, je sais pas du tout. Oh. Rémi le youtubeur. Ouais, je lance ma chaîne prochainement. What's up my boy? What's up my boy? C'est RR Product ma gueule. This is RR Product. My fucking boy. Tuto. Nice. Nettoyer l'atelier. Alors. Ça c'est un tuto qui dure un moment ça. Ouais donc là on est bien, je pense en réglage on est bien. On va tester la colle. J'ai un peu comme ça quand même hein, mais... Comment Fab? J'ai un peu la pipette sur la colle en vrai, je te cache pas quand même que ouais, petit stress hein. Les gars, je vais pas dire de la merde, mais on a eu un 6-2. Il y a eu des ouais, grosses coupures au démarrage. Je vais chercher ma vieille poubelle. Mais chef, il va nous planifier tout ça. Ouais. Mais alors attends, parce qu'on va attendre que ton pilote arrive. Ah, on est sur un record de France là. Ah bon? Eh oui, il me faudrait un chrono. Quel numéro, monsieur? On est sur Bourdie. Quel numéro? 183. Qu'on garde, qu'on garde le suspense. On est à 6-2. Mais 6-25. Ouais. C'est pas le bon titre. On égalise le record de France. On égalise 6-25, 6-251. On égalise le record. Tu veux pas donner? Non, mais là tu voulais garder le suspense. Ah oui, mais oui, oui. Donc on est à 6-251. Donc si je dis pas de bêtises, on est exactement pareil au millième près. À 172. À 1-5. On vient d'égaliser le record que j'ai fait en 2019. Égaliser. Il traque le bordel. Bon, on est avec Mika qui va essayer de rebattre son record personnel parce que là ça fait deux runs d'affilée, il bat son record personnel. Et sacrément parce que c'était un 7-7 et là il est passé en 7-52. Donc là on va essayer de tomber encore un petit dixième. Très beau run, mais surpris par la colle et le moteur il s'est vachement assis. Bon les gars, sur les deux vidéos que vous avez vues, donc Mika vient de battre son record personnel qui était de 7-8, il vient de faire 7-77, ce qui est immense. Quasiment 140 km à l'heure avec son drag. Et avec Rémi, on vient d'égaliser le record de France que je détenais déjà avec JC, Casimir et Stéphane. On vient de l'égaliser au millième près, comme vous l'avez vu dans la vidéo.
C'est improbable. Et le record a été fait en 2019 sans piste encoulée. Je vous mets la vidéo de suite. Ça c'était quand j'avais fait le record avec JC tout ça là, et là on vient d'égaliser, c'est improbable franchement. On va prendre le ressenti de Mika. Mika, battre votre record personnel, qu'est-ce que ça fait? Battre un record personnel, non mais c'est cool. Ah oui, très bien. Non, ah mais c'est très cool, mais le problème c'est que les bolides qui sont à côté, gars, tu as pas l'impression que tu avances vite. Hein. Ah ouais, non, pas l'impression d'aller c'est très pour vite. Ça que moi je demande à rouler tout seul. Ouais, non, c'est pas le souci. Après c'est qu'avec l'évolution qu'on a eue depuis 4 ans, je pensais avoir mieux. En Mika, c'est ton deuxième run. C'est vrai. Voilà. C'est tout à fait normal qu'on commence soft et on va plus vite après. Je bouge pas. Ah oui, Geoffrey a plus d'oreilles. Les gars, les mecs, c'est des débiles. Des débiles. Mais on ira les filmer après. Là, on va pousser. Voilà, bon, bah, Geoffrey, on va filmer. Parce que c'est vrai que là, c'est compliqué de... Bah, moi, je vais pas tenir la caméra à part pour vlogger comme ça. Là, mais sinon, voilà, c'est Geoffrey et Nico qui nous dépannent. Donc, voilà, les gars. Mais on bosse. Après, vous aurez le droit à un run de ma méca boîte aussi. Parce que j'ai roulé avec ma méca boîte. Du coup on est sur une troisième tentative après réglage. On a été vachement emmerdé sur cache au start en fait. On pense que c'est les carbus qui doivent déjauger. On lui en demande trop je crois. Ça paraît pas mais à chaque fois qu'on fait un run on tente des trucs de fou. On démonte, on remonte, on démonte, on remonte. Et forcément ça peut pas tout le temps marcher. Donc troisième tentative avec des modifications les gars, parce que vous voyez des runs comme ça mais on charbonne hein. Entre un run il y a du démontage, il y a de tout et puis c'est pas je démonte un carbu là, c'est je démonte tout x2 en fait. Donc et en test on est vachement limité hein, ça paraît pas mais c'est la merde hein. Donc là on va essayer pour la troisième fois, on espère que c'est concluant, sinon c'est la merde. Écoutez les gars, alors là c'est bien parti, on a résolu le problème de carbu, mais ça s'est fait. Alors point très important c'est qu'on va dans le bon sens. On va dans le bon sens, ça a pas décollé fort mais c'est bien parti. Alors les gars, ça c'est des mecs qui prennent soin de leur piste ça, tu vois. Ça c'est un truc qu'on voit pas souvent, mais ça fait plaisir à voir. On teste, on a essayé de trop le calmer en bas et jouer sur la colle et on n'arrive plus à avoir 18 mètres de ce matin, donc bon, je suis pas expert, vous le savez tous, mais je lui ai demandé de faire un truc à ma sauce, ce qui veut dire que de arrêter de plomber en haut, donc arrêter de lui donner de la vitesse de pointe parce qu'on a gagné 6 km/h depuis ce matin, là on est arrivé à 173 voire 174, de perdre cette vitesse de pointe mais de tout remettre en bas. Et je pense du coup en faisant un super bon 18 mètres avec mon poids à moi par rapport à Rémi, ça devrait quand même m'emmener, quitte à prendre 165 170, plomber la vitesse, mais tant qu'il va m'emmener je pense que le chrono peut tomber. Alors je dis pas qu'on va taper le record, déjà pour moi c'est comme si je l'avais tapé, c'était mon record à moi, on a fait exactement pareil avec plus de vitesse, c'est comme si c'était acquis et puis il était à moi avant, donc j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs JC, si tu vois cette vidéo je te fais un bisou, on avait fait un record en 2019. On n'arrive même pas à le battre aujourd'hui. Enfin, pour moi, je l'ai battu, mais tu m'as compris. Toi qui regardes la vidéo, tu m'as compris. Donc voilà.
En plus, je me suis tapé une migraine, chaleur, le bruit des gros cubes et tout. J'ai dû me poser parce que j'ai la tête qui allait péter là. Donc, je suis désolé, je filme pas beaucoup la méca boîte. Je vous promets que demain on fera des on-board et tout avec la moto. Mais je veux absolument. Parce que moi, dans mon objectif, c'était pas que je roule, je fasse que rouler moi. Je voulais que Rémi reroule. Je l'ai pas filmé, mais voilà, on l'a fait rerouler. Je lui ai donné mes astuces, plus les siennes. Il a réussi à faire des runs. Faut pas oublier que Rémi, je l'ai remplacé au scooter power parce que sur cette machine que je pilote, la bicylindre, il est tombé, il s'est cassé la clavicule. Et revenir après une chute sur une machine comme ça, sur un 200 mètres, tout sur la roue arrière, c'est. Faut se donner les tripes, faut se donner les moyens. Et je suis content parce qu'il l'a fait, c'était mon objectif premier. Maintenant qu'il a fait ça, mon mal de tête commence à passer un peu, on va y retourner. Là, le soleil commence un peu à tomber, il va faire moins chaud. Voilà, je suis pas un magicien de la variation, j'ai de l'expérience. Voilà, vous voyez, il y a Nico, de Matisse, il y a Rémi, tout le monde bosse, tout le monde bosse pour qu'on arrive à faire le record. On va essayer d'y aller. Allez, let's fucking go. Ça fait une après-midi, on travaille sur le drag. On s'est bien fait chier, mais un truc de malade. Dragster en 70. La caméra est sur le casque, là vous allez avoir un board. On a fait 6,259, donc il y a du mieux. Là on a gonflé le pneu à bloc et on y retourne. Et je vous embarque avec moi parce que on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. C'est parti. C'est maintenant. Hé gros, je peux voir. C'est maintenant l'apéro. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Merci. Ah bah tu l'avais ouais. Mais je me rappelle. 6-5, ouais. Et un 7 au 18. Oh, après m'a emmené, tu vois. Et après, kilomètre heure. Non, tu vois, c'est pas... Ouais, tu m'as pas emmené. Messieurs, dames, voilà. Ça, c'est beau, ça, quand même. Voilà. Ça, c'est beau. Deux tables de vitre remplies, que des runners scooters de merde, des bibibibis comme ça là. Mais non, c'est sympa. Allez, bon app. Après, les motivés iront au karting et les faibles iront dormir. Geoffrey, les motivés, regarde-le. Allez, fumer ou... Voilà, Geoffrey, il est aussi bleu que le steak, mon cousin. Bleu que le steak. Allez, bon app, les gars. Bon, j'avais dit les faibles iront dormir et les bons iront faire du karting, mais je suis faible. Il y a surtout que des faibles. Ouais, moi j'étais chaud. Bah, oui, trop. Moi j'étais vraiment. Allez, bon, nous on va aller spioter. Et on va dégorger un verre. On va dégorger. Et on se retrouve demain matin en pleine forme.
Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Mika. Bonne nuit. Hey yo, what's up, bro? Bon, Mika, par contre, cet hôtel de merde. On croirait qu'il est tard, mais il est tôt. Toute la nuit, Mika, il a entendu, je croyais que c'était dans ma tête au début. De la traille, mec. Je sais pas si c'était ici ou le corps de craquette là-bas, ils ont mis de la traille. Mais jusqu'à 4h, 5h du matin, mon gars. Il y a 5 ans, on sera allé voir. Oui, 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 oui. Oui. Oh, Mika, tu vas où? Il a oublié son sac à l'accueil, ce connard. Je suis tête en l'air, mais... Ah oui, non, Mika, on est sur un autre level, gros. On va essayer de se trouver une petite boulangerie pour déjeuner tranquille. Il est 8h50. On a rendez-vous, ça commence à 10h tranquille là-bas. Oui, ils ont dû se charger ce soir. Ouais. Là-bas. Ils ont dû bien se charger, les mecs là qui organisent ça. Et ce matin, on va plus se focus sur la méca boîte avec Joe et avec Mika. En tout cas, les organisateurs sont. Ouais, non, franchement. De toute façon, on débriefera ce soir de ça. Mais franchement, on a passé un week-end, mon gars. Mais... Juste auditivement, ça tape un peu le cerveau quand même. Ouais, puis. Respirateur, ah, parce que nous déjà, on roule à la VP, eux ils roulent au nitrométhane, des trucs dans méthanol. Ce style-là, quoi. Méthanol. Je peux te dire que tu le sens sur la gueule, c'est... Ah ben le soir on est rentré, on était gras, les lèvres, gras tout, de partout, c'est... les cheveux secs. C'est bon, Mika ? Au revoir. Allez, direction le circuit ou la boulangerie. Oh. On est arrivé sur la piste de la Barde, ils sont en train d'encoller la piste. Tout le monde arrive petit à petit, donc là on va inverser les rôles. Mika va me filmer, moi je vais démarrer la moto. Là il va se passer quelque chose. On va essayer de regarder si la carb est bonne. Là il y a un vrai travail quand même. Bon, jour 2. Aujourd'hui on va essayer de faire un peu plus de méca boîte. Et on est avec Mika pour le premier run du dimanche, jour 2. Bon, je vous cache pas qu'avec la moto j'ai un peu de mal quand même. Hein. On a eu des problèmes avec le shifter. Après c'était plus le shifter, le problème c'était moi. Donc là la pré-grille elle va fermer, la moto est dedans. Et je vais essayer de au moins avoir une base. J'ai un peu de mal. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Faut tryhard. Regardez ça comme c'est beau. Cette belle palette de 50, on en attend encore un petit peu là. Je crois qu'il y a Arnaud qui arrive avec Sacha. C'est beau, regardez, voilà. Après je vais rouler là-dessus. Du coup je prends des forces. On a mangé que de la merde, que des restaurants de merde. Là je vais prendre des forces pour le plus final, mon pote. Allez, je mange et je vais sur le bici là.
Il m'a dit que c'était le Hammer Time. Il m'a laissé 3 chances, je lui ai dit j'en prends que 2. Allez, on y va. Caméra sur le casque, il aime bien les plans de bord, alors j'y fais plaisir. J'y fais plaisir. Allez. Hé, hey, je t'attends moi là. Je suis chaud patate là moi. Allez, on y va. On va essayer de faire moins de 6,251. En gros, ce qu'il a fait sur le drag, il m'a dit si ça marche pas là, je sais plus trop quoi faire pour améliorer ce qu'on a fait de nous. Donc on aura bossé, on aura essayé, c'est déjà pas mal. Hein. Donc here we go. Regarde, oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est beau ça. Là Rémi, c'est bon? C'est bon. Allez. Mais on n'améliore pas. Bon, je vais vous faire un onboard avec la moto maintenant. C'est parti. Non, 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 faut que j'arrive seul, je débute là-dessus. D'accord, non, non, mais... Non, t'inquiète, c'est gentil, merci. Un 7 au 18 mètres. J'ai amélioré quasiment 3 dixièmes au 18 mètres et la moto marche moins que hier. Bon les gars, 3 choses. Déjà, vous pouvez penser à liker, commenter et partager cette vidéo pour le référencement. Parce que c'est compliqué de filmer en roulant. Donc Geoffrey, tout, Nico, on prend la caméra, Rémi, Mika. Donc déjà rien que pour ça, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Deuxièmement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Donc c'est gratuit, c'est un truc de streaming où vous pouvez venir discuter avec nous et tout. On joue beaucoup aux jeux vidéo, donc n'hésitez pas, c'est apparu en bas. Sinon vous avez le lien. Et troisième, le Shopper PC les gars, pour soutenir les projets, nous aider dans nos déplacements, tout ça. On vend des t-shirts, des caches allumage, des suites, des récupérateurs de trop-plein, plein de choses. Le lien est dans la description les gars, ça soutient beaucoup les projets. Bon, c'est pas qu'il fait chaud mais un petit peu quand même. Bon la moto, Mika, il me dit que j'ai pas assez tiré le rapport mais on a amélioré. J'y retourne avec le bi, je m'arrête pas. On est d'accord que le pneu il a sauté au milieu là. Non, c'est bon. Non, mais c'est qu'il a encore trop d'essence. Là, faut casser. Non, mais là il s'est passé un truc bizarre sur le run. Attends. On n'est pas sur un vlog de qualité là. La caméra est toujours posée sur le casque comme ça. Là, mes mécaniciens préférés s'affolent sur la machine. Mika m'a dit, je suis pas sûr que tu accélères à fond avec cette poignée parce qu'elle est trop longue. Du coup, je vais en mettre une plus courte. Mais il s'avère que la vis qui est à l'origine est pétée.
Fallait foirer. Sur le bille à Rémi, on n'améliore pas. On tourne en rond de partout. Il fait chaud. Très très chaud. On arrive honnêtement, je pense, sur la fin de journée. Mais on va encore en faire. Je vais essayer d'en faire bien deux avec la méca et peut-être un ou deux avec le bille à Rémi. Sur le bille à Rémi, on va tester sans la piste en collée. Parce que je pense que c'est ça qui nous fait faire des. À l'ancienne. Et puis on va en refaire un sur la colle. Une petite pause avec les machines RPC là. Je voulais quand même présenter Arnaud. Arnaud, je pense que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Il roule donc avec un mono en 100 LMR, c'est ça, c'est ça, ouais. Avec le cylindre de Lucas, ouais. Renault. Cylindre LMR, Superstar Neo. Et bah, là, il enchaîne le record. Au moment, Salbri, t'enchaînes fort. C'est vrai qu'à un moment, sur chaque piste, on fait des records. Ouais. Donc tu as fait quoi sur la machine? Là on a fait un 5,62 donc le samedi là, ça marche bien mais on n'a encore pas tout à fait le grip qu'on veut, on burn encore un peu. T'as testé la colle un peu? Donc j'ai pas encore testé la colle, je vais ramasser mes cale-pieds parce que même sans colle on a la machine qui monte en l'air quand on burn trop. Ça grippe ici mine de rien. Essayer d'augmenter la pression dans mon pneu, d'aller sur la colle pour prendre un peu de vitesse. Et puis je vais ramasser mes cale-pieds aussi pour parce que là il lève quand même, donc pour que Sacha il puisse se mettre bien en avant. Sur les cale-pieds, je vais les ramasser de 10 cm puis on va aller tester la colle. Ok, et eh bien écoute, bonne chance. Oh les gars, là je viens de voir le run. Insane les gars quand même, hein. T'as le ticket ou pas? Ouais. Je crois qu'on parle d'un nouveau record de France en mono du coup. Ouais, on a un méchant record là. Oui. Ah ouais, ouais. Donc les cale-pieds ramassés. Le ticket est marqué perdant parce que vous avez roulé sur contre un gros cube, hein, non, c'est non, ça. Non, il est marqué winner parce autant qu'on a roulé contre moi. Un gros cube. Ah, autant pour moi. C'est vrai que franchement, ouais, ils sont là, tu vois. Mais on n'est pas passé pour des guignols ce week-end. Mais ça, je le dirai à la fin de la vidéo. Mais franchement, on a fait très bonne impression ce week-end. Ça fait plaisir. On était loin d'être ridicule. Ticket. Donc là, on claque un 6,52 avec un 18 mètres, enfin un 20 mètres à 1,41. Oh là, c'est là. Exceptionnel, je m'attendais. Pour un mono, pas, les gars, donc l'ancien record donc était là, en 6. Là. L'ancien record était en 6,79. Ok. Et là, vous l'avez atomisé. 6,52. Félicitations, les gars, c'est dans la boîte. Félicitations à toi pour le bi. Merci bien. Bon, c'est le dernier run avec la méca boîte, les gars. J'espère qu'il va bien se passer. Je vais réussir. Pilote de méca boîte, les gars. Voilà. C'est bon, Rémi, quoi. Ah oui, là ça colle. Ouais.
Notre dernier run, il est là. Nico, il avait bombardé, plus de batterie, on prend la batterie de la moto qui est là-bas tout. Et l'espèce de pro stock qui était juste avant, il est passé, il a arraché la cellule, donc à mon avis les gars. C'est tout bénet. Je pense que c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Bon David, fin de week-end. Fin de week-end. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce week-end David? C'est bien. Ça c'était bien. C'est de merde. Ouais, mais par contre, t'as bien aimé ce non, week-end. C'était cool, ouais. Ouais, sympa. Petit comité. Tout ça bien roulé, soleil. C'était cool. Fin de week-end, tout transpirant. On vient de s'arrêter à une station. On vient de prendre une petite douche là. Un petit débrief. Bon, déjà, je m'excuse pour pas la qualité de la vidéo, mais pour le rendu de la vidéo, c'est très compliqué. Moi, je roule. Mika a roulé. Donc, c'est Geoffrey, Nico qui a dépanné. Voilà, bah déjà merci Geoffrey d'avoir filmé, merci Nico, tu verras la vidéo d'avoir filmé aussi, merci Mika d'avoir filmé, merci à Rémi de m'avoir fait confiance sur le bi. Je m'excuse Mika de ne pas avoir réussi à rouler sur la méca. Il y a une petite amélioration. Il y a eu une amélioration. J'arrive à démarrer tout seul, à burner, j'ai amélioré mon 18 mètres, je suis passé de 2-1 à 1-7. Le chrono est pas là. Voilà, on fera mieux la prochaine fois, on va aller s'entraîner encore. Mais après, Mika, toi, ton ressenti de toi, de moi. Toi, ouais. Non, grosse amélioration. C'est un plaisir de revenir rouler sur la piste de Bordeaux. Et j'ai amélioré mon chrono, donc c'est que du plus. Ça, tu apprends encore à connaître la machine et c'est cool. Mais on en parlait là tout à l'heure, quel plaisir de revenir à Bordeaux. Ouais. Merci à l'Orga d'avoir fait ça, parce que c'était pas un truc officiel. Non, c'était sympa. Se tirer la bourre avec les gros cubes. Ouais, c'est insane quand même. Leur coller sur 50. On n'est pas passé pour des guignols. Ah, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est passé pour des bons. Ça voilà. Fait beaucoup, hein. Ils sont beaucoup venus. Pas mal de gens sont venus nous voir en mode ah putain, les chronos, c'est pas mal. Hein, c'est fantastique ce que vous faites avec les mobilettes. Et donc, à savoir, pour ceux qui regardent la vidéo, alors il n'y a rien d'officiel encore, mais ils étaient en train de parler pour faire une à deux dates l'année prochaine en scooter. Voilà. Donc, pour ceux qui vont casser le bris. S'il y a un événement à Bordeaux l'année prochaine, vraiment, on vous invite à venir découvrir cette piste qui est géniale, vraiment. Elle est géniale, la piste. Moi, voilà, toujours imité, je sais pas comment on dit, toujours régalé, du coup. Hein, j'ai pas amélioré de la journée mon record et du coup, on reste sur Geoffrey. Deuxième run en 6251, le même chrono que j'ai fait. Collée. Ouais. Donc avec une piste en collée, je fais le même chrono qui était le record de France, qui était le mien déjà. Et on fait exactement pareil, c'est quand même fou. On a plus de vitesse. Ouais, on a un moins bon 18 mètres qu'avec JC alors que la piste était en collée, mais on a pris plus de vitesse avec Rémi là. Et pourtant franchement on y a été. Vous avez pas eu tous les plans mais on a roulé. Pff, j'en peux plus, franchement. Donc bon les gars, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, abonnez-vous, activez la clochette, il y a des gros projets qui arrivent. Avec Geoffrey, on a un gros projet en tête. Mika nous a filé la main sur ce projet. On peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça vaut le coup de s'abonner. Et je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Il y a la derby de Geoffrey qui va arriver, ma derby à moi, le gros projet. Et sûrement des sessions roulage avec Mika. Hein. Il va falloir que je m'entraîne, donc il y a pas chier. Ouais. Les gars, c'était la team RPC. Encore merci à l'Orga, merci à vous d'être restés jusqu'à là. Peace. Allez, bisous. Bisous.